Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la sclérose en plaques, une maladie dégénérative qui touche plus de 15 000 personnes en Algérie. Décrite pour la première fois en 1868 par le neurologue français Jean-Martin Charcot, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique, dont la gravité et l'évolution sont très variables. Mais qu'en est-il de la prise en charge de cette maladie en Algérie? Quel est le quotidien d'une personne atteinte de la SEP? Ou encore, quels sont les traitements disponibles en Algérie? Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir de recevoir trois invités. Docteur Kenzoua Smaïn, président de la Fédération algérienne des malades atteints de la sclérose en plaques. Monsieur Gergour Abdelkarim, membre de la FAMASEP, c'est-à-dire Fédération algérienne des malades atteints de la sclérose en plaques, et M. Hametouche Sofiane, également membre du bureau de la FAMASEP. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer avec Dr Kenzoua, on va parler directement, on va commencer par un petit peu de théorie, enfin d'un petit peu de pratique plutôt, pour revenir un petit peu sur la définition de la sclérose en plaques. Après on va aller en deuxième partie de l'émission pour parler sur les besoins des patients malades de la sclérose en plaques en Algérie. Donc la question que je vais vous poser, c'est comment les neurologues définissent cette maladie? Eh bien, c'est une maladie. Bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous en prie madame, je vous remercie de nous avoir invités. Avec plaisir. De nous avoir permis de parler de cette terrible maladie. Et maintenant je vous le dis tout de suite, c'est une maladie invalidante, très invalidante. C'est une maladie chronique, invalidante, très invalidante. Et avec le temps, si on n'arrive pas à trouver un traitement le plus rapidement possible, ça sera l'handicap majeur. C'est ça le problème. Voilà madame. Maintenant c'est une maladie dégénérative qui atteint le système nerveux central. Ça atteint d'abord la gaine de myéline. Quand la gaine de myéline est touchée, pratiquement les nerfs sont touchés, l'axon est touché, et plus ça dépend du nerf, de l'axon qui est touché, et puis ça entraîne de l'invalidité. C'est les troubles sensoriels, c'est des troubles visuels, c'est des troubles cutanés, de la mémoire, c'est également des troubles de l'accommodation, c'est des troubles de sphinctériens. Il y a pas mal de troubles qui sont engendrés par cette terrible maladie. Vous avez parlé de la gaine de myéline, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette gaine-là? Quel est son rôle? La gaine de myéline, il y a l'axon. L'axon qui est protégé par cette gaine. Mm-hmm. C'est comme un truc électrique, un câble électrique, c'est protégé par cette gaine. D'accord. Quand la gaine est atteinte, le fil ne passe pas bien. Le système, l'influx nerveux ne passe pas bien. Très bien. Et ça entraîne des troubles. Mm-hmm. Des troubles, comme je l'ai dit. Les troubles peuvent être visuels, peuvent être sensitifs. Il y a pas mal de troubles qui sont pratiquement concernés par cette atteinte. Très bien, très très bien. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est ces troubles qui touchent parfois les yeux, parfois la colonne vertébrale. Absolument. C'est ça. Ça dépend du nerf qui est touché. Voilà, tout à fait. Quand le nerf est touché, c'est les yeux, c'est pratiquement les yeux qui sont touchés. Mm-hmm. C'est les nerfs. Locomoteur, pratiquement ça, la marche, etc., qui est touchée, et ainsi de suite. Très, très bien. Et chaque fois, quand il y a une poussée, ça laisse des traces. Parce que la maladie évolue par poussée. Mm-hmm. Quand il y a une poussée, chaque poussée, elle laisse ses traces. C'est les nerfs qui sont touchés, et ça dépend du nerf qui est touché. Et c'est irréversible. C'est ça le gros problème. C'est touché, c'est irréversible. Et quels sont les symptômes, justement, de la sclérose en plaques? Les symptômes, ça varie. Mm-hmm. Ces symptômes sont très variables. Ça peut être la mémoire qui est touchée, ça peut être des troubles visuels, ça peut être des troubles locomoteurs, il ne peut pas marcher, sensitive, la fatigue, et ainsi de suite. Fatigue chronique. C'est une maladie chronique qui atteint le système nerveux central et la moelle épinière également.
D'accord. Mais ça dépend des nerfs qui sont touchés et la zone qui est touchée. Tout à fait. Et à partir de quel âge on peut s'inquiéter? L'âge, madame, l'âge, il est très variable. Il y a des jeunes qui sont très touchés. Ça atteint le sujet jeune pratiquement de 20 ans jusqu'à 40 ans. Ouais, d'accord. Et il y a des extrêmes. Actuellement, on a des malades pédiatriques carrément. Des malades très très jeunes qui sont touchés et des personnes qui sont très âgées également qui sont touchées. D'accord. Mais ils sont rares. D'accord, ok. Et est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes ou c'est à part égal? Les femmes sont plus touchées que les hommes. À peu près 2/3. 3 femmes pour 2 hommes. Et est-ce qu'il y a une explication? Pour le moment, il n'y a aucune explication. Mm-hmm. Voilà. C'est comme ça, c'est-à-dire... On n'arrive pas à expliquer pourquoi les femmes... Peut-être c'est hormonal, peut-être non, c'est... Oui, rien. Justement, voilà. Je le dis peut-être. Oui, rien n'est encore sûr. C'est possible, rien encore, parce que la cause de la maladie elle-même, elle est encore mal connue. Voilà, j'allais rebondir sur la cause. Jusqu'à présent, alors que depuis 1868, elle a été décrite pour la première fois, jusqu'à présent, ils ne savent pas... Jusqu'à présent, madame, pourquoi on ne connaît pas la cause de cette maladie. Et je crois que c'est ça qui fait que le traitement n'existe pas encore. Le traitement qui guérit n'existe pas encore pour cette maladie. C'est ça. Parce que la cause, elle n'est pas encore connue. Voilà. Ça peut être viral, ça peut être autre chose également. D'accord, ok. Et ce n'est pas facile de poser le diagnostic d'une sclérose en plaques. Voilà. Le diagnostic est très, très difficile. On passe par plusieurs étapes et pratiquement, c'est par élimination. Par élimination. C'est pas cette maladie, oh bien, c'est cette maladie. Bien sûr, les moyens de diagnostic ont évolué, surtout avec l'IRM, mais le diagnostic reste quand même difficile. Ça reste toujours par élimination. Personnellement, je suis atteint de la SEP. D'accord. Et ça, 15 ans, 10 ans après, pour le diagnostic a été posé 10 ans après ma maladie. J'étais hospitalisé dans des services hautement spécialisés. Et malgré ça, ici ou à l'étranger? À l'étranger, à la Pitié-Salpêtrière, je peux le dire carrément. Bien sûr. Et j'étais hospitalisé pendant 21 jours là-bas. Et le diagnostic, je suis sorti avec B7, la maladie de B7, Behjet, l'arbre. Eh bien, c'est parce que les signes sont pratiquement presque les mêmes. Ce sont des maladies inflammatoires. Et même B7 également, c'est une maladie inflammatoire. Il y a beaucoup de maladies inflammatoires qui ont à peu près les mêmes symptômes, qui ont les mêmes signes. Voilà. C'est pour ça que... C'est pour cela que le diagnostic est très très difficile et parfois très tardif également. 10 ans, c'est énorme. Il y a des malades qui ont plus de 10 ans. Donc soit ils confondent avec cette maladie, vous m'avez dit la maladie de B7, Behjet. De Behjet. Oui. Soit ils vont vers des maladies inflammatoires. Maladies inflammatoires, tout simplement. Absolument. Ou bien de causes encore inconnues. Oui, c'est vrai. Si tu sais que le diagnostic n'est pas... Le diagnostic est toujours tardif. Et ça, il y a des séquelles qui sont énormes, qui sont engendrées par cette maladie. Oui. Plus le diagnostic est tardif, plus les séquelles sont plus grandes. Oui, c'est ça. Oui, l'humain, il a avancé avec un tel degré de... La science, elle a avancé, l'humain, il a avancé. Et de rester... Que cette maladie reste comme ça, aussi mystérieuse, ça reste assez surprenant. Absolument. Il y a des recherches actuellement qui sont faites, mais ça n'a pas encore abouti au bon résultat, au traitement vraiment qui guérit. Il n'y a aucun traitement actuellement qui guérit la maladie. Il y a des traitements qui repoussent un peu les poussées. On peut juste, c'est en fonction des symptômes, enfin des symptômes qu'on peut dire, voilà, qu'on peut s'orienter, qu'on peut aller faire un neurologue. Vous m'avez dit, c'est la fatigue chronique. Oui, la fatigue, oui. La fatigue, les troubles visuels, les troubles sensitifs, d'accord. Les troubles locomoteurs. Le moteur, c'est-à-dire on n'arrive pas à se déplacer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas marcher. C'est des picotements, c'est des fourmillements, c'est des... Et oui, d'accord, c'est des paresthésies. Ainsi de suite. D'accord, ok. C'est des signes qui sont évocateurs de la sclérose en plaques. Mais ça ne veut pas dire blesser une sclérose en plaques. Il faut d'abord adresser le malade chez un neurologue qui va établir un diagnostic. Il y a d'autres examens qui sont faits, en particulier IRM et autres, pour poser le diagnostic de sclérose en plaques. D'accord. Pardon, si vous permettez. Au contraire, allez-y. Voilà. Comme fédération, on a vu des malades. Malades qui se déplacent d'une région à une autre. Imaginez-vous un malade qui se déplace de Redaya jusqu'à Alger pour faire un bolus de sérumotrol. Un bolus de sérumotrol, il se déplace tous les mois. Attendez, je vais vous expliquer. Voilà. Quand il y a une poussée,
et un traitement. Très bien. Il faut adapter le traitement. D'accord. Le traitement, le premier truc, c'est les corticoïdes. C'est des bolus de corticoïdes. Ah oui, à d'accord. Très forte dose. Très forte dose. Ok. Au moins 3 ou là 5 grammes. Ou bien, il est hospitalisé pour 3 jours. Il fait 3 tous les jours, 1 gramme de solimidrone. Si ça ne réagit pas tout de suite, on fait encore jusqu'à, on peut aller jusqu'à 5 jours et 5 grammes de corticoïdes. C'est énorme, 5 grammes. C'est énorme. Et donc, le malade, chaque fois qu'il fait une poussée, il se déplace de Redaya jusqu'à Alger pour faire un bolus. On s'est dit, en qualité de fédération, Gouna, comme il n'y a pas suffisamment de neurologues en Algérie, il n'y a pas suffisamment, il faut le dire. Donc, on s'est dit, comme les médecins généralistes sont implantés un peu partout à travers le pays, on s'est dit, pourquoi ne pas former des médecins généralistes? Ah oui, ça c'est bien. Donc, on s'est attablé sur ça, on a fait un programme, et là encore, je dis, je le répète, je tiens à remercier le ministère de la Santé d'avoir accepté nos propositions, Très bien. La formation des médecins généralistes a commencé, déjà débuté, Parfait. Et ça a été validé par le ministère de la Santé. Il y a une première formation qui s'est passée à pratiquement, on a fait une première formation, c'était à Betna, maintenant, ensuite Biskra et Alger. Très bien. Et on va se poursuivre, cette formation va se poursuivre à travers tout le territoire national. Parfait. Pourquoi? Pour essayer de prendre en charge le malade le plus tôt possible, et que ça soit le plus proche de lui-même. Parce qu'il ne faut pas que le malade se déplace pour un simple bolus. Est-ce que c'est un simple bolus? C'est une perfusion. Il faut surveiller le malade, poser le diagnostic rapidement. Pourquoi cette formation de médecin généraliste? Il faut que le médecin généraliste ait les premiers signes, devant un premier signe évocateur d'une SEP, il faut qu'il adresse le malade rapidement chez un médecin neurologue. Oui. C'est très rapide. C'est très important si de faire un diagnostic rapide. Si le médecin ne connaît pas lui-même les symptômes, absolument, et ne connaît pas le dossier. Parce qu'on ne pense pas tout de suite à la SEP. La SEP est très mal connue. Même nos médecins ne connaissent pas très bien la SEP. Il faut dire la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Cette formation va permettre aux médecins généralistes, au moins, de soupçonner, même s'il ne fait pas le diagnostic, il soupçonne une SEP. Tout à fait. Et il a adressé rapidement le malade chez un neurologue. Très bien. C'est ça, notre objectif, c'est ça. Et là, je tiens encore une fois à remercier le ministère de la Santé d'avoir accepté nos propositions. Effectivement, oui. Effectivement. Voilà. Ça va sauver beaucoup de personnes. Nous, ça l'espérons. Va... Très bien, très très bien. Et comment on peut soigner la sclérose en plaques? Est-ce qu'il y a des traitements, des vaccins disponibles? Actuellement, il n'y a aucun traitement qui guérit la maladie. Donc, on traite les poussées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, oui. Il y a c'est des poussées. Possible. Il faut traiter les poussées. Les poussées, c'est le corticoïde, c'est le solimétro. Il y a des traitements de fond. Et donc, mais un traitement qui guérit, ça n'existe pas en eux. Ça n'existe pas nulle part ailleurs, même dans le monde entier. Il n'y a pas un traitement qui vous guérit. Vous direz s'ils n'auraient pas encore à connaître l'origine. Absolument, parce qu'on ne connaît pas l'origine. Donc, il n'y a pas un traitement qui guérit, qui soigne réellement cette maladie. D'accord. Il y a des recherches qui sont faites, en particulier sur la remyélinisation. Et ça, c'est très important. Moi, je pense, si on arrive à trouver un traitement qui permet la remyélinisation de la graine, ça serait une très, très bonne. Et ça sera une très bonne thérapie. Très bien, très très bien. Oui, espérons que ça marche et que ça apporte ses fruits. Nous l'espérons tous. Voilà, tous. Voilà. Et on se bat pour ça justement, pour qu'il y ait ce traitement. Bien sûr, il y a des traitements, il y a beaucoup de traitements qui sont proposés, mais qui éloignent juste les poussées. D'accord. Bien sûr, qui luttent contre l'inflammation, qui éloignent les poussées. D'accord. Mais qui ne sont pas très très... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas efficaces, mais qu'ils ne sont pas très adaptables aux malades. Les malades, ce sont des injections, et les malades en ont marre des injections. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Moi, personnellement, j'en ai pris, j'en ai marre. Beaucoup de malades ont arrêté leur traitement à cause des injections. Et oui, bien sûr, la mais douleur. si on arrive vraiment à ramener des produits d'utilisation plus confortables, en particulier les comprimés, eh bien, ça serait une très bonne chose pour le monde. Et on se bat pour ça. Très bien. Il faut que le ministère de la Santé, et on remercie le ministère de la Santé de nous avoir prodigué des traitements, on le remercie, mais on lui demande de faire encore un autre effort pour nous ramener les nouvelles molécules qui sont plus adaptées pour le malade et d'utilisation plus facile, en particulier la voie orale. Tout à fait. Voilà, madame. Très, très bien. Très, très bien. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais bien répondre à quelques questions. Voilà, vous êtes... Je vais poser la question à M. Hamitouch Sofiane. Vous êtes membre de la fédération, et vous êtes vous-même atteint de cette maladie. Je voudrais savoir comment vous vivez cette maladie au quotidien. Quels sont... Je suis atteint de la maladie depuis 2003. D'accord. Ok. Je suis sur EBUF depuis 2016.
à ce jour, une souffrance. Mm-hmm. Mais ça va, alhamdoulilah. On fait ce qu'il faut faire, les injections internes, on travaille. Ah, vous travaillez? Je travaille, oui. Je suis comptable principal à la direction générale de la protection civile. D'accord, très bien. Mais... Dieu merci. Alhamdoulilah, oui, alhamdoulilah, dans tous les cas de figure, oui. Non, alhamdoulilah, alhamdoulilah, de toi... traitement kayen ou je n'ai pas kayen, mais on a des difficultés que ça soit belichana, on peut rien faire wahedna. D'accord. On peut rien faire wahedna, alhamdoulillah. Oui, c'est dans tous les cas, alhamdoulillah. Mais justement, on est là pour, parce que c'est vrai que c'est un nouveau monde, hein, pour peut-être pour les éditeurs qui nous écoutent, peut-être pour les confrères des médias qui nous écoutent. C'est en connaissant vos besoins qu'on peut en parler et remédier aussi. Donc c'est pour ça que non, il faut dire. C'est-à-dire quand vous dites que vous n'arrivez pas à vous déplacer, c'est-à-dire c'est-à-dire au niveau des métros, au niveau des, c'est-à-dire par rapport au conduire des voitures. C'est quoi, c'est-à-dire réellement, concrètement? Parce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire nous, c'est vrai qu'on n'est pas dans votre peau. Hein. Alhamdoulilah, non. On se déplace très difficilement, mais... Par exemple, qu'est-ce qui vous faciliterait la vie? Comme une rampe? Une rampe pour vous déplacer? C'est sûr, non, comme on l'a dit tout à l'heure, monsieur Cazois, on doit faire un appel d'abord, mais c'est de l'habitat, les malades, les escaliers, c'est un problème. Voilà. Notre premier signe, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, on a un problème d'équilibre. كاش ليكيليبر دونك باش تطلع لي سكالي ولا تهبط سي تان ماشي بدوخه ما تقدرش تشد روحك سي دونك سي با درون ما تقدرش تشد باش تهبط البروبليم نيميرو ا سي لي سكالي دونك لاسانسور ريغليري اون تيت سكون دون ان نيبر ويكيل لاسانسور j'habite ils ont pris en considération ma maladie, parce que le jour où j'ai déposé le dossier, donc j'ai ramené un médecin qui dit que je suis atteint de la SAD. Donc même le jour où on m'a attribué le logement, ils ont pris en considération. Très bien, c'est déjà bien. On va tourner les choses, alhamdoulilah. Mais pas tout le monde les votre chance, c'est ça aussi. Voilà. Alhamdoulilah, c'est loin, mais alhamdoulilah. Et la conduite, c'est-à-dire... Je conduis, mais les longs trajets, je peux pas. Manque de l'homme, la circulation, manque de l'âge, c'est un problème. Et est-ce qu'il y a des périodes où tu peux se mettre sur... C'est-à-dire que tu peux se mettre sur... Voilà, c'est ça. Tu peux pousser, et pousser, c'est une crise. La crise, c'est... تستقال عينيك يقولوا ما تشوفش مليح سيت دوبل يجيك دوبل انا بيرسونو يجي لي دوبل اون هوريزونتال نشوف وحده فوقها انت تشوف الزوج واحد فوقها وكاين يجي دوبل انا نشوف دوبل واحد فوقها هذا سي بوسي يجيك تستقال ولا ما تقدرش ترفد رجلك دونك امبوسيبل ما تقدرش تسوق دونك هذا سي ان مي قلت لك ابار سا الحمد لله دونك نروحوا للوبيتال نديروا بوليس باردون par rapport au travail, c'est quoi vos droits? C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un a une poussée, tu as trop le supérieur hiérarchique. Non, je travaille, alhamdoulilah. Donc, qui te trouve le travail, tu as le hospitalisé. Tu es hospitalisé. Tu es hospitalisé. Tu es hospitalisé. C'est l'État qui prend en charge. C'est sûr. Non, même les médicaments, elles coûtent très très cher. Elles coûtent très cher, mais c'est l'État. C'est l'État qui a atteint une carte chiffre à 100%, c'est l'État qui est le 100%, donc en 100%, tu as fait la carte chiffre. Après 3 mois, tu as fait la carte chiffre. Très bien, donc ils vous remboursent, il n'y a pas de souci. Mais si vous remboursez, c'est bien ou l'employé. Non, on dit que les médicaments sont nous. Et les médicaments sont disponibles? C'est des injections, c'est oui, c'est disponible. Il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah, non, c'est disponible. Mais c'est toujours qui
كما قال الدكتور سي توجور سي ديجيكسيون سا طاب سو لي نار وي 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 جور دو باسكو حنا نديرو طواز ديجيكسيون بار سونا دونك انا بديتو لو بي بديتو 2016 اسو جو يدير واحد 500 500 ديجيكسيون ايه دونك هادو يلعبوا لك على المورال حنا ما دابينا كما قال الدكتور كنزو ما دابينا يجيبوا لنا اون اون سابيل المينيستير دو لا سونتي بور باش يجيبوا لنا هاد الدواء كومبريمي تفضل انجيكسيون هادوك سا بروفوك سيندروم دي ليبال جوست ابري الانجيكسيون سيندروم دي ليبال اه وي سي سا البروبليم اون بليس دو تو لي بروبليم كون انزي دو فيه سيندروم دي ليبال ايماجيني فو ان جور سور دو تو في انجيكسيون ان جور سور دو فوز افي سيندروم دي ليبال Et puis le gros problème actuellement que vivent les malades, alors quand ça atteint un certain stade, mal, il faut se mettre à la place des malades. Bien sûr, justement. Ils ont des problèmes urinaires. On a beaucoup de problèmes actuellement avec des malades en cercle. Mm-hmm. Parce qu'il faut les approvisionner en quoi ? En sang. Ils ont des problèmes urinaires. Mm-hmm. Ils ont des sang physiques ou les ont des couches. Ils n'ont pas de couches. Mm-hmm. Nous, la fédération, on essaie de d'aider les malades. On essaie. C'est pour cela qu'on demande aux établissements mm-hmm. publics et privés de nous aider. Parce que nous, on aide les malades. Aidez-nous, s'il vous plaît. Parce que les malades en ont besoin. Je pense que c'est. Aidez-nous, dans quel sens ? Sur le plan matériel. Voilà. Sur le plan matériel, parce que les malades, ils se plaignent, ils viennent chez nous, ils nous disent, s'il vous plaît, on a de gros problèmes actuellement pour acheter le sang. On n'a pas de moyens. Imaginez-vous un jeune d'un certain âge, miskin, il doit faire des sangs tous les jours, si ce n'est pas plusieurs fois par jour. Il a besoin d'être des couches. Combien de couches il faut pour adultes ? Absolument, il faut se mettre. C'est cher, hein ? Et bien, en plus des déplacements qu'ils ne peuvent pas se déplacer. On leur achète des chaises roulantes. C'est ça, ils ont besoin de ça, les malades actuellement. Et là, je lance un appel au ministère du Travail, au ministère de l'Habitat, pour essayer de voir ces malades et d'essayer d'être à leurs écoutes. Quand ils habitent des étages, qu'ils veulent dire, mais ils habitent le malade. C'est ça, justement. Ils ne peuvent même pas se déplacer. Je le dis moi-même. Pour moi-même, quand il y a les escaliers, je ne peux pas dépasser. Plus des troubles d'équilibre, il y a des troubles locomoteurs et des troubles d'équilibre. On ne peut pas se déplacer, puisqu'on a des troubles d'équilibre. Bah oui. On ne peut pas se déplacer. Alors imaginez-vous, c'est une chaise roulante en plus de ça. Quand il est sur une chaise, qu'il fait chier, et on lance un appel au ministère de l'Habitat pour se pencher sur cette catégorie de malades. Il faut les aider. Tout à fait. Je lance un appel au ministère de la Santé également pour essayer de nous ramener une nouvelle molécule. Il y a de nouvelles molécules actuellement qui sont disponibles sur le marché, qui sont plus adaptées pour les malades. Il y a une utilisation plus facile. On a marre des injections. Et là, on remercie le ministère de la Santé parce qu'il s'est Il se donne enfant avec nous, ils nous ont ramené des médicaments qui sont distribués gratuitement aux malades. Ça coûte très très cher. Oui. Mais tous les malades sont pourvus actuellement de médicaments. Nous allons leur demander de faire encore un autre effort pour essayer au moins d'améliorer le quotidien de Voilà, madame. Tu as de l'autre Oui. Yeah, moi, je... Monsieur Hamidouche. Je peux ? Oui, tout à l'heure. Je tiens à remercier Radio M pour son invitation. Je vous en prie. Qui, pour moi, est à double titre. Un, vous participez à une sensibilisation, vu que cette radio est très connue, pour cette maladie, ce qui vous honorise beaucoup. Je vais faire une présentation succincte, rapide, des associations qui sont au niveau national. Très bien. Très bien. Cette maladie était pratiquement méconnue il y a 8 ans. Hein. Et l'effort qu'a fait la Pharmacep pour essayer d'installer et d'aider l'Himalaya à installer leur association. C'est des associations agréées au niveau de chaque wilaya. Mm-hmm. Je peux vous en parler de Oran, une à Blabès, une à Batna, une à Tebessa, une à Biskra, à Tlemcen, bientôt à Bouji, elle va être agréée, El Bayed, etc. Et là, on a fait un travail, bon, on verra
remarquable, vous pouvez le dire. Il faut le dire, les choses comme elles sont faites. Parce que nous avons encore du travail à faire, sincèrement. Oui, parce que, comme l'a dit le docteur Kenzoua, c'est une maladie qui est quand même très, très... je tiens à féliciter ces associations pour un travail qu'ils font. Et puis, par le temps, ils ont acquis une maîtrise et un niveau scientifique extraordinaire. Ils organisent des journées mondiales où, personnellement, et même le docteur Kenzoua et tout le monde, nous sommes très satisfaits de ce qu'ils font en matière de sensibilisation, en matière de thèmes scientifiques. Hein. Et je remercie aussi les professeurs et les professionnels de santé publique qui commencent à prendre conscience de cette maladie et qui nous aident beaucoup. Par exemple, on fait une journée scientifique à Batna. Très bien. Plus de 7 professeurs, c'est pas... ils se déplacent. Bien sûr. Avec les obligations qu'ils ont, professionnelles ou autres, etc. Ils se déplacent par avion et ils viennent assurer un thème, dispenser un thème, etc. Donc, voilà. Je crois que le docteur Kenzoua a... s'est étalé sur la maladie dans toutes ses... Et que dirais-je d'autre? Donc, c'est vrai que le ministère a répondu favorablement à notre demande qui était la formation. Cette formation est mise en route, elle est validée, elle est en... Et là, cette formation permettra aux futurs malades, parce qu'il y en aura, hein, d'être diagnostiqués rapidement. Parce qu'avant, beaucoup de malades se plaignaient. Et c'est ça, c'est se plaignaient de cette lenteur dans le diagnostic. C'est ça. Et aujourd'hui, je peux dire, alhamdoulilah, ça a démarré. Plus les médias en parlent et plus vous faites vous un travail de vulgarisation, entre guillemets, et de mettez en avant cette maladie, enfin en avant. Et vous faites connaître cette maladie, et plus ça attise la curiosité. Donc les gens vont se renseigner plus sur cette maladie. Et votre mission, pardon, votre mission, elle vient à point. Je le dis honnêtement. Très bien. Et on vous remercie infiniment. Avec grand plaisir. Ça, c'est vraiment, vous participez activement. Là, ici, vous participez activement à notre programme. Ah, ben, c'est cool, ça. C'est très bien. Notre objectif, qu'est-ce que c'est? Qu'il nous gagne contre amis. Mais la fédération ne peut pas être partout. Tout à fait. Ou bien que nous avons le rêve, c'est rien. Ben oui. Et notre objectif, c'est de créer une association, au moins une association par village. Au moins. Oui, ça. Il y a déjà une quinzaine, une quinzaine. Tout à fait, c'est excellent. C'est déjà très bien. Oui. L'objectif qu'on a, c'est de créer une association par village. Qui est le plus proche des malades? C'est l'association. Oui, c'est ça. Mais c'est bien sûr. Mais quelle association à l'Afnamarhanelage? Mais quelle? Voilà. Mais quelle association? Entre vous, vous. Entre nous, on participe avec eux, on essaie d'aider l'association jusqu'à ce qu'elle se forme elle-même. Elle se met en place. Et c'est ça l'objectif. Bien sûr, tout à parce fait. Plus on est proche de l'association, plus les malades seront mieux pris en charge. Tout à fait. Et c'est ça l'objectif TAN. Et on aura atteint notre mission. Tout à fait. On a donc l'objectif TAN. L'objectif TAN, nous serons, M. Mourid, il pense que les gens qui ont été mis en c'est ça l'objectif. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que les malades se sentent délaissés. Oui, bah, ça se sent. Je me donne. Oui, tu donnes. Quand on organise des journées mondiales, c'est des malades qui viennent de toute l'Algérie. Et là, je crois que sur le plan psychologique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils échangent leur téléphone et puis après, sûr, ils se contactent sur les réseaux sociaux, ils en parlent de leur maladie, ils parlent même d'autres choses, ils parlent peut-être de cuisine, entre femmes, etc. Et ça, vous savez, l'aspect psychologique de cette maladie est très, très important. Et moi, personnellement, et le docteur Kenzoua, on en discute de temps en temps, on trouve que c'est déjà une avancée, tout à fait. Les réseaux sociaux, tout le monde les lit maintenant. C'est quoi, aux emplaques, c'est quoi cette cèpe, c'est quoi. Moi, je rentre chez moi, on me dit, c'est quoi cette cèpe? Ah oui, c'est ça. Bon, j'explique cette cèpe, petit à petit, voilà. Et alhamdoulilah, je crois qu'on est arrivé, c'est pas une autosatisfaction. Oui, mais vous avez le droit, écoutez,
tous les très efforts que vous faites, de temps en temps, c'est bien d'être dans la gratitude. Voilà, on pour se dire, oui, c'est pas rien ce que vous avez à faire. Je l'ai dit, et pour tenir sincèrement, je ne jette pas des fleurs, que le docteur Kenzoua a travaillé énormément en vue de faire connaître cette maladie. Oui, oui, oui. Et l'association, la fédération existe depuis quand? Depuis 2016-2015. Ah, oui, oui. Avant, on était une association. Voilà, d'accord. Nous étions une association. Et puis cette association, on a commencé à contacter Oran, Tizi Ouzou, Annaba, etc., etc. Voilà. Et les gens nous ont dit, comment vous avez fait? Voilà comment on a fait. Voilà l'agrément, etc. Une 15 personnes, vous savez comment la réglementation, etc. Oui, oui, ben oui. Et aujourd'hui, Alhamdoulilah. Très bien, voilà. Très bien. Je vais vous rappeler une chose. L'association d'Alger, dont je suis le président de l'association d'Alger. La première des choses qu'on avait créées, c'est l'association d'Alger, des malades en termes de sclérose en plaques. Ça, on a créé l'association d'Alger, on n'avait même pas un local. Et oui, on n'avait pas de local. Comment vous avez fait pour... On était la bibliothèque, on est 45. Oui. Malheureusement, c'était juste pour une adresse, pas plus. Ça n'avait rien. Une adresse, ni plus ni moins. Et puis, on ne pouvait pas voir les malades, c'était impossible. Oui, ben oui. Et on voyait les malades, on essayait même de se regrouper. Oui, les jardins, on fait le khaoui, mais enfin, on ne peut pas venir au café, on ne peut pas venir au jardin, c'est pas possible. Oui, oui, oui. Donc, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Mm-hmm. Donc, on s'est dit qu'il vaut mieux créer d'autres associations. Plus on crée des associations, plus on sera une force, plus on se fait entendre. Et alhamdoulilah, avec la fédération, il y a une personne que je ne finirai jamais de remercier, c'est Amin Zerhouni. Je le dis, je le répète. Il nous a donné un local de Vendredra gratuitement et gracieusement 4 ans à Tana. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, on est là-bas. Notre siège est là-bas. C'est à côté de la clinique Chifa. Je vous assure, je le remercie vivement. Et tous les malades le remercient. Parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un de ce genre. Et on est pour essayer de d'abord pour comprendre la maladie et personne. Et deuxièmement, d'essayer de d'aider. C'est vrai. Nous sommes d'être sensibles à notre souffrance. Parce qu'on a besoin d'un local. On a eu ce local, on a pu se former, on a pu former des gens, on a pu se regrouper. Et il le fait, il faut voir ce qu'il fait pour nous. Et on ne finira jamais de le remercier. Eh ben, très bien. Pour paraphraser le remercier certaines universités ou toutes. À chaque fois, quand on demande à une université, que ce soit Batna, Tlemcen, ils vous ouvrent les portes. Ça, automatiquement, les portes sont ouvertes. Un amphithéâtre de 400, 500 places, etc. Et des fois aussi des maisons de jeunes, telles que celle du CND pour la journée mondiale du 23 juin, théâtre à SM Saoudi. Oui, c'est-à-dire, voilà, il y a des personnes qui sont sensibles quand même à cette cause et qui vous ouvrent les portes. Eh bien, c'est très bien. On essaye de contacter les mairies, c'est nous. On y va, de notre rédacteur, de notre Kenzoua et des membres du bureau, pour les mairies. On contacte l'administration. C'est vraiment sur le terrain. C'est pratiquement une activité. Ça y est, maintenant, c'est rentré. Ça y est, oui, mais tout à fait, dans vos habitudes. Le matin, en venant, il m'a dit la journée mondiale, c'est le 30e. Il faut penser. Tout à fait, Inch'Allah. On doit la préparer le 30e mai. 31 mai, hein, c'est ça, la journée mondiale de la sclérose en plaques. La journée mondiale, vous aurez des badges. Très bien. Vous aurez des dépliants. Vous aurez voilà, le programme. Non, on travaille d'une façon vraiment. Et comment vous communiquez? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Ah oui. Ah, très bien. Pour le moment, nous avons des pages personnelles, mais bientôt, nous aurons un site. Un site web qui sera ouvert. On est en train de négocier avec un spécialiste en placement de site web qui va peut-être d'ici peu. C'est-à-dire, par exemple, si nos auditeurs ou nos téléspectateurs, ils veulent vous contacter, comment on peut savoir Je crois que... Vous communiquez nos numéros. En bas de page, vos numéros, comme ça. D'accord, très bien. On est à leurs écoutes sans aucun problème. Très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Yat Koum Saha. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. On fait notre rôle. Et vous aussi, vous êtes en train de vraiment donner le 90% de votre temps pour cette fédération. Et je vous en prie, bien sûr.
Et on va essayer, on va demander également au ministère de la Santé. Mm-hmm. Maintenant, il faut se rapprocher beaucoup plus des malades. Oui, oui. C'est pour les soins. Des groupes de parole aussi, ce serait très intéressant. Et puis les soins à domicile. Oui, pourquoi pas. Ça fait partie de notre programme. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est notre programme? Programme de formation des médecins généralistes, programme de formation des paramédicaux, mm-hmm. programme de formation pour les aidants, parce que les aidants des malades souffrent plus que les malades. Oui, il faut voir. Ça, c'est vrai, oui. Les aidants, mm-hmm. faut qu'ils connaissent. Il faut qu'ils apprennent comment se comporter avec son malade, comment le prendre en charge. Il faut les aider, justement. Effectivement. Ils ont besoin de cette formation. On essaie de les former. Très bien. Et c'est ça notre objectif. Mais le plus important, c'est ils sont à domicile. Oui. Les malades, ils sont grabataires. Ils sont allés chez les malades, d'ailleurs. Si on n'arrive pas à aller chez lui. Oui, tout à fait. Et il faut aller dans ce sens. On essaie de sensibiliser le ministère de la Santé pour leur demander de mettre des équipes. L'appel est lancé. Merci beaucoup encore. Avec grand plaisir. Avec oui, s'il vous plaît. Ensuite, moi, je lance un appel au DAS. À Oran, par exemple, la DAS d'Oran, la CEP est un handicap pris en charge à 100%. Mm-hmm. Or que la Constantine il n'est pas pris en charge à 100%. Or que Alger il est peut-être pris à 100%. Bon, hein. Et alors là, on ne sait plus exactement est-ce que voilà, est-ce qu'on est en Algérie ou ailleurs. Dans les cas. D'accord, ok. Voilà. Bah, faudra. Vous avez bien fait de soulever ça. Désolé, on ne peut pas très tarder. Moi, avant de terminer, je souhaite une très bonne année. Merci beaucoup. À tout vraiment avec votre personnel, Allah à tous les malades d'abord, CEP et pas CEP, à tous les auditrices et auditeurs, Inch'Allah. Et vous particulièrement, Merci beaucoup. Et on finit sur cette note positive d'une bonne année, Inch'Allah. Donc retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook et sur radio-m.net. Et à la semaine prochaine et surtout une excellente année, Inch'Allah. Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.